Salut à toutes et à tous, c'est un match bien sympa qui nous attend ici à la Red Bull Arena de Leipzig. Je serai bien sûr avec Pierre Ménès qui nous fera partie des analyses. C'est un match de Bundesliga que nous allons suivre ensemble aujourd'hui, le Rasenball Leipzig face au Bayern Munich. Belle opposition aujourd'hui encore entre deux équipes qui vont chercher à bousculer d'entrée leur adversaire du jour. Nous, on veut du spectacle et puis tout. Ça y est, c'est parti. Début de cette première période. Le ballon qui va revenir à l'adversaire. Benjamin Pavard. Avec Lewandowski. Lewandowski. C'est un petit peu raté là. Lewandowski perd le ballon. Forsberg. En profondeur, oui, bien vu. Bien joué, il fallait y aller hein, sur ce ballon en profondeur. Benjamin Pavard. Non, le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé, il y a un hors-jeu. Le Bayern qui va essayer de s'engouffrer dans ce boulevard. Une passe de Sané qui n'arrivera pas à destination. Allez, il tire. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Intervention parfaite, hein, bonne anticipation. Niklas Süle. Sané. Marcel Sabitzer. Visiblement, on cherche la brèche en faisant tourner. Sans problème aucun pour le gardien. Angelino. Alstenberg. Yusuf Poulsen. Lewandowski. Ouais, bon tac, il prend la balle. Et le jeu qui se poursuit. Il y a avantage, c'est bien arbitré. Angelino. La voie est libre. On protège son ballon. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Le Bayern qui n'a pas marqué pour le moment. Serge Gnabry. Très bonne intervention, il lui a pris la balle. En train de se faire enfermer là. Un ballon pour l'adversaire. Marcel Sabitzer. C'est pour le gardien. Ouais, là, on voit des stats qui expliquent assez bien ce qui se passe. Cette équipe se crée finalement peu d'occasions et beaucoup moins qu'espérée en tout cas. Signalé hors jeu, il aurait dû attendre pour faire son appel. À partie trop tôt là, parce qu'il attendait la passe plus tôt aussi, hein, ça, faut le dire. Robert Lewandowski. Marcel Sabitzer. Le Bayern qui fait bien vivre ce ballon. Ce ballon qui est dégagé. Yusuf Poulsen. Kevin Campbell. Kunku.
Alfonso Davis. Cassez-le. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué, 0-0. Une première mi-temps qui ne laissera pas des souvenirs impérissables. Très peu d'occasions de but, un piètre niveau de jeu. Aucun intérêt tout ça pour l'instant. Espérons que ça s'arrange. Le Bayern qui a donné le coup d'envoi de cette seconde période. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Kevin Campbell. Youssouf Poulsen. Cameron Lemmer. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Attention à la petite passe levée. Allez, l'occasion peut-être de mener. Ah, l'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Ah, il y avait un boulevard devant lui. C'était trop beau. Benjamin Pavard. Kimmich. Marcel Sabitzer. Belle séquence de conservation. Ils attendent le bon moment pour mener leur attaque. Ballon perdu par le roi Sané. Angelino. Eh oui, bien défendu. Il a coupé. Lewandowski. Frappe. Oh, le but. Oh, la frappe hallucinante qui a trouvé le cadre. Imparable. On le voit très bien sur ces images. Il se décide en une fraction de seconde. Il arme, il tire et but. Impeccable. Vers ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Le Bayern qui prend l'avantage dans ce match. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Nick Forsberg. Kevin Campbell. Il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Konko. Nick Forsberg. Willy Orban. On s'approche du but adverse. On sent que l'équipe va essayer de porter le ballon beaucoup plus rapidement dans la surface adverse. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait le gardien ? Oh, le montant ! Le montant qui sauve le gardien ! L'angle était très fermé, hein, pourtant. Ouais, pourtant, quand je l'ai vu tirer, je pensais pas que ça pouvait donner ça, mais à l'arrivée, c'était quand même dangereux. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre se plante pas avec ses panneaux. Oh, le grand danger ! Et le gardien qui claque le ballon au-dessus de la barre. Le corner, le ballon en pleine surface. Mauvais dégagement, mal fait. Duel pour la possession. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Nick Forsberg, il sauve Poulsen. Ah, ils n'ont plus le choix, ils doivent marquer sur cette action ou sinon jamais. Et le public qui entend bien sûr jouer son rôle, qui pousse. Ouais, ça pousse là, il reste peu de temps pour recoller au score. Aïdara. Il ne reste que 8 minutes à jouer dans cette rencontre. Plus que quelques minutes à jouer, tout reste possible. Assez fluide hein, ce que fait Leipzig. Il va rendre le ballon à l'adversaire avec cette touche. Benjamin Pavard. Serge Gnabry.
Upamecano, Lewandowski, Marcel Sabitzer, Goretzka, et ça fait but. C'est sûr, il y a un côté tout ou rien quand on tente des frappes pareilles, mais pour le coup, celle-ci est parfaitement exécutée. Quelle puissance, regarde-moi ça. Ah bien voilà, ça fait maintenant du but d'écart. Hein. 2-0 au tableau d'affichage. Le temps réglementaire est terminé. Une minute de plus maintenant. Westermann. Aldara. Ouais, bon ballon, bien récupéré par les Bavarois. C'est terminé, le Bayern remporte ce match. Cette équipe qui l'emporte sur une toute petite marge. Alors on va dire, comme tous ceux qui n'ont rien à dire, on va dire que l'important c'est d'avoir gagné. Match plutôt bon hein, dans l'ensemble pour lui, il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple? Assurément un des artisans de la victoire de son équipe avec ce but de quoi.